Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. est accepté. Tu as des réflexions du genre euh, Je ne pourrai jamais arriver à ce genre de partage. Je suis assuré que l'autre ne voudra jamais accepter cela. C'est juste un livre, la réalité est toute différente. Sache que c'est une manifestation de la résistance de la part de ton égo. Tout ce qui est suggéré est réalisable. Il suffit de le décider et de l'expérimenter. La bonne nouvelle est plus nous pratiquons, plus ça devient facile et rapide. Je souligne également que je me permets de te tutoyer. Ceci t'aidera à ressentir tes émotions plus rapidement, surtout si tu te reconnais dans un des différents exemples utilisés. Bonne écoute. Lise Bourbeau. Chapitre 1 La consultation Ma secrétaire annonce la venue de la cliente que j'ai accepté de voir en consultation privée aujourd'hui bonjour anna bonjour madame bourbeau je suis très heureuse de faire votre connaissance j'ai lu tous vos livres et fait quelques ateliers et j'ai enfin l'occasion de vous rencontrer je suis très heureuse d'être parmi les trois personnes que vous suivrez au cours des prochains mois c'est pour votre recherche m'a-t-on dit quel privilège d'avoir été choisie et surtout de n'avoir rien à débourser heureusement que je connais votre travail sinon je me serais méfiée d'une telle offre ajoute t-elle en riant. En effet, je suis au Québec pour quelques mois et je veux travailler en privé avec trois personnes différentes dans trois domaines distincts. Suite à la diffusion de cette offre sur notre site web, nous avons reçu plusieurs demandes, nous avons rassemblé celles qui concernaient l'amour véritable, un des trois domaines, et avons pioché votre nom au hasard parmi celles ci. Avant d'aller plus loin, J'aimerais savoir si tu as une objection à ce que nous nous tutoyons. Aucune objection? Ce sera même très facile, puisque j'aimais bien ce tutoiement dans les livres et dans les ateliers. J'ai assisté à trois ateliers jusqu'à maintenant, et il y a des choses qui se sont améliorées dans ma vie. Mais je dois avouer que je trouve très difficile la notion d'amour inconditionnel. Alors, j'écoute. Parle moi un peu de toi et dis moi quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté. J'ai trente-huit ans et je suis mariée depuis quatorze ans avec Mario, qui a cinquante-deux ans, donc quatorze ans de plus que moi. Quand j'ai rencontré Mario en 1991, il était marié et vivait encore avec sa femme, Rita, et leur fils David, qui avait quatorze ans. Comme tu peux le constater, le chiffre 14 est très présent dans notre vie, et je commence à me demander si c'est un chiffre malchanceux pour nous, ajoute-t-elle songeuse. J'espère que je ne deviens pas superstitieuse. Je reviens à mon histoire. Ce fut le coup de foudre entre nous, et il me promettait qu'il quitterait sa femme pour moi. En réalité, il l'a laissée parce que j'étais enceinte, après quoi nous nous sommes mariés très vite. Notre fille, Sandra, a donc quatorze ans cette année. Encore le chiffre quatorze. Je n'ai constaté cette coïncidence que lorsque j'ai appris que je venais ici aujourd'hui et que je me préparais à raconter mon histoire. Ce fut un choc pour Mario d'apprendre que j'étais enceinte quelques mois après notre rencontre. Il savait que je prenais la pilule. Il en a donc conclu que je faisais partie du un pour cent des femmes qui tombent enceintes malgré cette pilule contraceptive. Je lui ai dit que nous devions être destinés à avoir un bébé ensemble, en omettant que j'avais fait exprès d'oublier de prendre la pilule pendant plusieurs jours, au moment de mon ovulation. J'étais contente de ne pas avoir à lui dire la vérité quand j'ai vu sa réaction. Nous n'avions jamais parlé d'avoir des enfants puisque nous ne nous connaissions que depuis peu. Je sais que je n'aurais pas dû faire exprès de tomber enceinte mais je l'aimais tellement et j'avais peur qu'il ne se sépare jamais de sa femme. Il se sentait très coupable à l'idée de divorcer alors que son fils était adolescent mais nous vivions une grande passion et inventer toutes sortes d'excuses pour que nous nous voyions le plus souvent possible était devenu pénible pour lui. De plus, j'en avais assez d'être seul les week-ends. Il a quitté sa femme au début de l'année 1992 et nous nous sommes mariés à Las Vegas en toute intimité, deux mois après la naissance de Sandra. Il s'est à peine écoulé un mois entre son divorce et notre mariage. Plusieurs personnes m'ont dit que, S'engager aussi vite dans une deuxième relation n'est pas sain pour un couple et que nous aurions dû attendre. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.